Bonjour chers apprenants, je suis Monsieur Makaya Brunel, enseignant d'histoire et de géographie au secondaire. Aujourd'hui, nous présentons un cours d'histoire terminale. Il porte sur les différentes étapes de la décolonisation du Congo. La décolonisation est le processus d'accession à l'indépendance des pays colonisés. Dans le cadre de la décolonisation, il y en a eu deux types. Il y a la décolonisation violente et la décolonisation pacifique. Donc, le processus d'indépendance du Congo, donc pour le cadre du Congo, le Congo se situe dans la décolonisation pacifique. Et ce pacifisme s'est déroulé en trois différentes étapes. Quelles sont ces étapes Donc, Les trois différentes étapes sont il y a d'abord la naissance du nationalisme, la création des partis politiques et enfin la marche vers l'indépendance. Donc à présent, Abordons le premier point de ce cours, la naissance du nationalisme. Donc, au premier point, point 1, la naissance du nationalisme. Il y a la naissance du nationalisme. Là, nous abordons le premier point, la naissance du nationalisme. La naissance du nationalisme. Quand on entend par nationalisme, qu'est-ce que le nationalisme Le nationalisme, c'est l'amour de la patrie, une doctrine qui prône la défense du pays. Donc, qu'est-ce qui a été à l'origine de la naissance du nationalisme? Donc, le nationalisme est dû au fait suivant. Donc, les abus de la colonisation française au Moyen Congo. Il y a notamment les réquisitions, les pillages systématiques des ressources le travail forcé et les brutalités. Donc, ces Congolais qui avaient l'amour de la patrie n'ont pas autorisé ces abus sur le territoire congolais. Donc, ces Congolais vont réagir, ils vont protester, ce qui sera à l'origine de l'émergence du nationalisme. Et l'émergence du nationalisme au Moyen-Congo est caractérisée par l'amicalisme et les églises syncrétiques. Donc, l'émergence du nationalisme au Congo est caractérisée par l'amicalisme. Donc, nous avons l'amicalisme. L'amicalisme. Amicalisme et les églises syncrétiques. Amicalisme et les églises syncrétiques. Donc, au premier sous-point, le grand 1, nous abordons l'amicalisme l'abordant l'amicalisme l'amicalisme petit l'amicalisme qu'est-ce que l'amicalisme d'abord dans... Amicalisme, nous avons le concept, le mot amical. Donc c'est une sorte d'association. Donc l'amicalisme est un mouvement politique issu de l'association des originaires de l'AEF. Par qui est-il créé et quand L'amicalisme est créé par... André Grenard, toi. Donc l'amicalisme. L'amicalisme est créé l'amicalisme est créé par André Grenard. André Grenard Mathois. André Grenard Mathois est le fondateur de l'amicalisme. Donc André Grenard Mathois crée l'amicalisme le 17 juillet 1926. Le 17 juillet 1926. André Grenard a créé l'amicalisme le 17 juillet 1926, 1926 à Paris en France. Quel est le but de l'amicalisme L'amicalisme est créé dans le but de protester contre les abus du pouvoir colonial. Donc, parmi ces abus, il y a le code, l'indigénat, le travail forcé. Donc, après avoir évoqué l'amicalisme, qui est une des caractéristiques de la naissance du nationalisme passant aux églises syncrétiques, au petit 2, petit nous avons les églises syncrétiques. Les églises syncrétiques. Les églises syncrétiques. Les églises syncrétiques avant d'aborder ce point, il s'y est d'abord de comprendre le mot syncrétisme. Le syncrétisme est un mouvement religieux qui tend à mélanger plusieurs doctrines différentes. Donc, nous avons ces, ces croyants, ces individus qui croient au même temps à la Bible et aux fétiches. Donc, ils sont à cheval entre la Bible et les fétiches. Donc, c'est une tendance religieuse qui tend à mélanger plusieurs doctrines différentes. Et les églises syncrétiques, dans le cadre du processus de la décolonisation du Congo, il y en a deux. Il y a deux églises syncrétiques, deux mouvements syncrétiques. Il y a le kimbanguisme, Le kimbongisme le quimbangisme. et le lacisme le kimbongisme et le lassisme. Commençons par le kimbongisme Par qui est-il? Créé. Le Kimbanguisme est créé par Simon Kimbangu, donc, le fondateur du Kimbanguisme. Simon Kimbangu, en 1921, en 1921, dans le Bas-Congo au Congo belge. Et dans le Bas-Congo, le c'est Simon Kimbongo, en 1921, dans le Bas-Congo, dans le Bas-Congo, nous sommes au Congo belge. Dans le Bas-Congo, au Congo belge, nous 21, dans le Bas-Congo au Congo belge. Et quel, dans le Bas-Congo au Congo belge, quel est le but du kimbonguisme? Le kimbonguisme a pour but la revendication. La revendication de l'officialisation du kimbongisme au même titre que les religions chrétiennes. Donc, les religions chrétiennes nous avons le christianisme. Donc Simon Kimbongo avec le Kimbongis revendiquait l'officialisation du kimbongisme au même titre que les religions chrétiennes d'une part et l'autre part revendiquait l'indépendance du Congo. Après le kimbongisme, nous passons à une deuxième église syncrétique qui est le lacisme. Le lacisme, par qui est-il fondé? Le lacisme, d'abord, c'est un mouvement politico-religieux, donc un mouvement politico-religieux fondé en 1930. Donc le lacisme est fondé en 1930, par Simon Zéphirin Lassie, donc fondateur du lacisme, Simon Simon Zéphirin, Simon Zéphirin Lassie, fondateur du lacisme en 1930. À Pointe-Noire, à Pointe-Noire, au Moyen-Congo. À Pointe-Noire, au Moyen-Congo. Et quel est le but du lacisme? Rappelons d'abord que le lacisme est hostile aux religions importées. Non seulement l'hostilité, le lacisme manifestait cette hostilité envers les religions importées, également envers les Blancs qui dirigeaient ces religions. Et le but principal du lacisme était la revendication de l'identité noire. Notamment l'identité congolaise. Et ces deux églises syncritiques, le kimbanguisme et le lacisme, ont lutté pour la libération de l'homme noir et contre les religions importées. Actuellement, vous remarquerez, il y a certains, certains groupes ethniques, prenons par exemple le cas du groupe Congo, Congo avec K. Et la majorité des Congos sont des Kimbonguismes. Et quand vous allez à Pointe Noire, vous remarquerez que la majorité des Vilis sont toujours dans le lacisme. Donc, nous venons de terminer avec le premier point. Le premier point, la naissance du nationalisme. Nous avons évoqué deux sous-points l'amicale, ainsi que les églises critique. Après le premier point, nous passons au deuxième point de ce cours, le grand 2, la création des partis politiques. Au grand 2, nous avons la création La création des, des partis la création des partis politiques. Deuxième point de cette leçon: la création des partis politiques. Permettez, le temps qu'on nettoie les écrits qui sont au tableau. Donc, grand 2, nous allons voir la création des partis politiques. Bon. La création des partis politiques. En abordant le grand 2, il est important de rappeler que c'est la constitution française d'octobre 1946 qui favorise l'émergence des partis politiques au Congo. Quels sont les partis politiques qui sont créés au Congo Donc, Il y a trois partis politiques qui sont créés au Congo. Et ces partis qui vont accélérer le processus de décolonisation au Congo il y en a trois Donc, nous avons le premier parti politique, le PPC le, le parti progressiste congolais le parti progressiste le parti. Progressiste Congolais en sigle PPC le parti Progressiste Congolais en sigle PPC PPC Parti progressiste congolais en sigle PPC. Par qui est-il fondé? Ce parti est fondé par Jean-Félix Tikaya. Par Jean Félix. Tikaya. Jean-Félix Tikaya. En décembre 1946, à Pointe Noire. En décembre 1946, à Pointe Noire. Donc c'est le premier parti politique. Nous avons dit qu'il y a trois partis qui ont été créés. Le PPC de Jean-Félix Kaya. Le deuxième parti, c'est le Mouvement Socialiste, Mouvement Socialiste, Mouvement Socialiste, le Mouvement Socialiste africain. On sigle MSA. Par qui est-il créé? Il est créé par Jacques Opango. Donc, Jacques Opango. Jacques Opango. Jacopo Pango en mille à Brazzaville, à Brazzaville, et enfin le troisième parti politique, c'est l'Union, Union. Union. L'Union Démocratique pour la défense. La défense des intérêts africains. L'Union Démocratique pour la défense des intérêts africains. en sigle L'Union démocratique pour la défense des intérêts africains, en sigle UDDIA, créé par l'abbé Fulbert Youlou, créé par l'abbé Fulbert Youlou créé par l'abbé Fulbert Youlou, le 27 mai 1956. Donc, dix ans après les deux premiers partis politiques. Donc, les trois partis politiques qui sont créés au Moyen-Congo sont le Parti progressiste congolais, Jean-Félix Tikaya, le Mouvement socialiste africain. Jacopo Pango, et enfin l'Union démocratique pour la défense des intérêts africains, l'abbé Fulbert Hulou, dix ans après, les deux premiers partis politiques. Donc, ces partis politiques, donc les premiers partis politiques que nous venons d'identifier, ces partis politiques ainsi créés vont hisser les premières personnalités congolaises sur la scène politique. Donc les partis politiques ici cités, ce sont ces partis qui vont ici, les premières personnalités congolaises sur la scène politique. Donc nous venons de terminer avec le deuxième point de cette leçon. Donc nous avons vu les trois partis politiques qui ont été créés. Donc le PPC, le MSA et l'UDDA. Donc, présentement, nous passons au dernier point de ce cours intitulé La marche vers l'indépendance. Donc, le dernier point, donc, au grand 3, nous avons la marche vers l'indépendance. La marche vers l'indépendance. La marche vers la marche vers l'indépendance. Permettez. Le dernier point de ce cours, nous avons dit que c'est un cours qui va se présenter en trois volets. Venons de voir les deux premiers volets. À présent, nous abordons le dernier volet pour chuter. Donc, et le troisième point de ce cours, c'est la marche vers l'indépendance. Rappelons d'abord que la marche vers l'indépendance, donc le Congo, l'accession à l'indépendance du Congo, s'est réalisée de manière progressive. Cette accession à l'indépendance est réalisée en quatre phases. Il y a eu quatre phases. Donc la première phase, nous avons de 1946. En 1956, le Moyen Congo est sous la communauté et dans l'Union française. Excusez. Donc, de 1946 à 1956, le Moyen Congo est dans l'Union africaine, l'Union française. Excusez. Et la deuxième phase, de 1956 à 1958, le Moyen Congo. Sous la loi 4. la troisième phase de 1958 à 1960, le Moyen Congo sous la Communauté franco-africaine, et enfin la quatrième phase. Quatrième phase, il y a une négociation de transfert de compétences et la proclamation de l'indépendance. Donc premièrement, abordons. La première phase de la marche vers l'indépendance. Donc, nous avons la première phase, la marche vers l'indépendance. Donc, la première phase de 1946 à 1956. Donc, oh. Le Moyen Congo, le Moyen Congo, dans l'Union française. Dans l'Union française. Le Moyen Congo, dans l'Union française. D'abord, l'Union française est une disposition constitutionnelle qui regroupe la France avec l'ensemble de ses colonies. Donc, la France regroupe, la, la France regroupée autour de ses colonies. Donc, durant cette période, donc de 1946 à 1956, il y a l'octroi de certaines libertés aux indigènes. Il y a l'octroi de certaines libertés aux indigènes. Donc, il s'agit de la suppression du code de l'indigénat et du travail forcé, la liberté de créer les partis politiques, le droit de vote. Donc, ce sont ces libertés, il y en a plusieurs. Donc, pour ne pas citer toutes les libertés qui ont été octroyées aux indigènes, nous avons identifié ces quelques libertés. Donc, après 1946 à 1956, donc le Moyen-Congo dans l'Union française, il y a la deuxième phase de la marche vers l'indépendance. Donc, la deuxième phase de 1900.

le Moyen Congo sous la loi 4. Le Moyen Congo sous la loi 4. Qu'est-ce que la loi 4 La loi 4 est une loi votée à l'initiative du ministre de la France d'Outre-mer, Gaston Defer. Donc, cette loi accordait l'autonomie aux territoires africains. Donc, les Africains pouvaient désormais accéder au poste de responsabilité, d'où l'expression l'africanisation des cadres. Donc, sous la loi cadre, pendant cette période, le Moyen-Congo se dote d'une assemblée locale de 45 membres pour permettre aux citoyens, donc aux populations, d'exercer le droit de vote. Donc, ici, pour la de la loi 4, donc l'application ou la matérialisation de la loi 4, il y a des élections qui seront organisées dans la plupart des colonies françaises. Donc, dans le cadre du Moyen-Congo, les élections sont organisées le 31 mars 1957. Ces élections sont organisées pour doter le Moyen-Congo d'une assemblée locale, puisqu'on en amont. Nous avons dit que le Congo se dote d'une assemblée locale de 45 membres. Donc ce sont ces élections qui viendront matérialiser la loi 4. Donc au cours de ces élections, trois partis politiques s'engagent. Ces partis, nous les avons vus au grand 2. Il y a le PPC, le MSA et l'UDDIA. Donc ces trois partis vont s'engager, mais il y a une coalition entre... Le, P, le MSA de Jacques Opango et le PPC de Jean-Félix Tsikaya. Donc, donc, cette coalition remporte les élections de 23 voix contre 22 pour l'UDDA. Donc, les élections du 31 mars 1957 sont remportées par la coalition MSA-PPC. Donc, et avec ces élections, on assiste au Moyen-Congo à la mise en place du premier gouvernement congolais. Donc le premier gouvernement congolais est issu à la suite des élections de mars 1957. Et Jacopango est le tout premier chef du, de ce premier gouvernement. Donc Jacopango est le tout premier chef de ce premier gouvernement. Gouvernement. Donc là, nous venons de terminer avec la deuxième phase de la marche vers l'indépendance. Donc nous passons à la troisième phase. Donc la troisième phase qui est de 1900. 1958. De 1958 à 1960 le moyen Congo le moyen Congo dans la communauté le moyen Congo dans la communauté Le Moyen Congo dans la communauté franco-africaine. Le Moyen Congo dans la communauté franco-africaine. Donc, le Moyen Congo, dans, donc c'est sous, excusez, le Moyen Congo sous. la communauté franco-africaine, donc la communauté franco-africaine, donc en 1958, la france a cherché à changer la constitution de 1946. donc en 1958, la france va ouvrir une brèche, demandant à ses colonies, donc les colonies qui veulent continuer avec elle, ou celles qui ne le veulent pas. Donc c'est cette communauté franco-africaine qui est proposée, qui est soumise à la table de ces colonies. Donc il y a d'abord, sous la communauté franco-africaine, la proposition du général de Gaulle. Donc la proposition du général de Gaulle qui est faite le 24 août 1958 à Brazzaville. Donc cette proposition demander à certains dans un discours qu'il a prononcé à Brazzaville donc les colonies avaient le choix le libre choix de continuer la marche avec la France soit de demander l'autonomie donc dans le cadre du Moyen Congo un référendum est organisé le 28 septembre 1958 donc le Moyen-Congo approuve la communauté franco-africaine à 99,4% des suffrages exprimés. Donc le Moyen-Congo fait partie des colonies qui ont préféré continuer la marche avec la France dans le cadre de la communauté franco-africaine. Donc c'est ainsi que le 28 novembre, 1958, l'Assemblée territoriale est issue des élections de 1957, mars 1957, donc cette Assemblée territoriale vote à 44 voix et une abstention, l'acte constitutionnel proclamant la République. Donc vous remarquerez que c'est la raison pour laquelle la journée du 28 novembre, donc chaque année, 28 novembre est déclarée chemin payé. C'est à cette date que le Moyen-Congo est devenu une république. Donc, en dehors du fait qu'il y a l'acte constitutionnel proclamant la, la République du Congo, il y a aussi certains symboles qui verront le jour. Il y a le cas du drapeau. La couleur du, du drapeau congolais, nous le nous la connaissons. Il y a le vert, jaune, rouge. Il y a également l'hymne national, la congolaise, qui vont être adoptés comme symbole de la République. Donc, le 8 décembre 1958, l'abbé Fulbert Youlou est élu chef du gouvernement. L'abbé Fulbert Yulou est élu chef du gouvernement à 23 voix contre 22. Dès son élection, l'abbé Fulbert Yulou décide de deux faits. Dès son élection à la primature, bien sûr, l'abbé Fulbert Yulou décide du transfert automatique de la capitale à Brazzaville. Dès qu'il est, est élu à la primature, il décide du transfert automatique de la capitale à Brazzaville. Par la suite, deux faits majeurs vont plonger le Congo dans des émeutes tribalo-politiques. Ces faits sont lesquels il y a l'élection du président filbert Yulu, l'élection de l'abbé Fulbert-Hulot, pas président, il n'était pas encore président, il y a l'élection de l'abbé Fulbert-Hulot à la primature, ainsi que le transfert automatique de la capitale de, de Pointe-Noire à Brazzaville. Donc ce sont ces deux faits majeurs, l'élection de l'abbé Fulbert-Hulot à la primature, ainsi que le transfert automatique de la capitale de Pointe-Noire à Brazzaville. Parce que la capitale avait son siège à Pointe-Noire. Donc, ces deux faits vont plonger le Congo de, du, 16, du 16 au 20 février 1959 dans des émeutes tribalo-politiques qui auront un bilan de 99 morts. Un bilan de 99 morts et le 14 juin. 1959, Fulbert Hulot devient Premier ministre. Premier ministre, puisqu'il était euh, chef du gouvernement, là, il devient Premier ministre. Donc, après avoir été Premier ministre, l'abbé Fulbert Hulot devient le Premier Président de la République le 21 novembre 1959. Donc, il y a toute une série de faits qui ont jalonné l'histoire du Congo sous la communauté franco-africaine. Pour chuter, nous abordons la dernière phase de la marche vers l'indépendance. Et la dernière phase de la marche vers l'indépendance, nous avons l'année 1960. 60. Donc dans l'année 1960, il y a la négociation. L'année 1960, il y a la négociation de transfert de compétences. Donc l'année 1960, il y a la négociation. Négociation. De transfert. transfert des compétences, négociation de transfert des compétences et la proclamation, la proclamation, proclamation de L'indépendance. Proclamation de l'indépendance. Donc c'est la dernière phase, puisque nous, nous l'avons signifiée en, abord, en, en abordant le grand 3, que l'accession à l'indépendance du Congo s'est réalisée en quatre étapes. Donc là, nous abordons la dernière étape pour chuter la négociation de transfert des compétences et la proclamation de l'indépendance. Donc, le 28 juillet 1960, un accord de transfert des compétences communes est ratifié entre la France et le Congo. Et cet accord, va consacrer l'indépendance du Congo. Et le Congo, la date à laquelle l'indépendance du Congo est proclamée, c'est le 15 août 1960. C'est une date que nombreux des Congolais connaissent, parce qu'il est rare que nous ayons, nous savons qu'il peut y avoir quelques cito citoyens, plutôt, qui ne connaissent pas cette date. Et chaque 15 août, les festivités, euh, de, les festivités du 15 août relative à la proclamation de l'indépendance du Congo. Donc, cette indépendance a été proclamée le 15 août 1960 avec l'abbé Fulbert Hulot comme premier président. Donc, chers apprenants, dernier, le, le dernier point de notre leçon, la marche, vers l'indépendance nous avons vu les quatre étapes puisque cette marche vers l'indépendance s'est réalisée de manière progressive en quatre étapes d'avant de 1946 à 1956 le Moyen Congo dans l'union française de 1956 à 1958 le Moyen Congo sous la loi 4 de 1958 à 1960, le Moyen Congo sous la Communauté franco-africaine et enfin 1960, la négociation de transfert de compétences et la proclamation de l'indépendance. Chers apprenants, la leçon que nous venons d'étudier portant sur les différentes étapes de l'indépendance du Congo à trois grands points. Donc le premier point la naissance du nationalisme, dans la naissance du nationalisme, nous avons vu l'amical, l'amicalisme, les églises syncrétiques et le deuxième point la création des partis politiques. Nous avons vu les trois partis politiques qui ont été créés au Congo le parti progressiste congolais de Jean-Félix Sikaya, le mouvement socialiste africain de Jacques Pango, l'Union démocratique pour la défense des intérêts africains de l'abbé Fulbert Yulou. Et enfin, au dernier point, nous avons vu les différentes phases de la marche vers l'indépendance. Ainsi, chers apprenants, après tous les faits évoqués, nous pouvons dire la décolonisation du Congo est le fruit d'un long processus marqué par trois étapes. Ces trois étapes, nous les avons vues. Donc la décolonisation du Congo est le fruit d'un long processus marqué par trois étapes, notamment la naissance du nationalisme, la création des partis politiques et la marche vers l'indépendance. Donc, c'est une décolonisation pacifique. C'est une décolonisation pacifique. Chers apprenants, voici au terme de notre leçon du jour. Mais, comme d'habitude, donc à l'accoutumée, nous avons l'habitude de vous proposer un sujet de dissertation. Donc, ici, vous avez un sujet de dissertation relatif... Au cours ou à la leçon que nous venons d'étudier, donc sujet de dissertation, expliquer les différentes étapes de la décolonisation du Congo. Donc, comment doit-on l'aborder Nous ne cessons de vous rappeler que l'introduction comprend quatre phases. L'introduction comprend quatre phases. Dans le cas de ce sujet, la première phase, le contexte historique. Dans le contexte historique, il s'agit de présenter la décolonisation. Après le contexte historique, nous avons l'annonce du sujet. L'annonce du sujet, les différentes étapes de la décolonisation. Et la troisième phase, la problématique. Quelles sont ces étapes? Quelles sont ces étapes? Et enfin, la dernière phase, vous avez l'annonce du plan. Donc, l'annonce du plan, vous aurez un développement qui aura trois moments. Il faudrait commencer d'abord par la naissance du nationalisme, ensuite par la création des partis politiques et enfin, à la marche vers l'indépendance. Chers apprenants, pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là, à nous revoir au prochain cours.